Salut à tous, vous avez vécu une course totalement incroyable à Monaco en compagnie de Rémi et Marco et nous sommes de retour tous ensemble aujourd'hui pour suivre le 7e Grand Prix de la saison GP2 de la communauté F1 Team et nous quittons le vieux continent pour rejoindre le Canada et plus précisément Montréal pour, on l'espère, une course plein de rebondissements. Et aujourd'hui, j'aurai la chance une nouvelle fois d'avoir en cabine à mes côtés Marco. Bonjour Marco. Salut Maxime, salut à tous. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui puisque nous fêtons ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Maxime, joyeux anniversaire à toi aussi vu que c'est également le tien. Ah bah oui, ça c'est une sacrée chance en tout cas. Je sais pas, je suis né dans l'ombre du grand champion. Mais on espère avoir un très très beau cadeau aujourd'hui avec tous les pilotes GP2 qui vont se réunir. En tout cas, ils vont pouvoir être en pleine confiance puisqu'on a vu que à Monaco, que la suprématie d'Oxide avait été mise à mal avec la victoire d'Emistation. Yoshis n'a pas su en profiter, mais est-ce que sur ce prochain Grand Prix, il va pouvoir tirer son épingle du jeu? Nous allons bientôt le savoir. Marco, que peux-tu nous dire sur la grille de départ, s'il te plaît? Alors, nous retrouvons Emistation qui, pour une fois, a battu Oxide au niveau de la pole position. Donc Oxide deuxième, suivi de Modstreet et Yoshis. Juan Max cinquième, suivi de Psikowski sixième. Ensuite Charognard sur sa Lotus et Wam huitième sur sa Ferrari. On poursuit avec McMartin neuvième, suivi d'Hamilton. Olivier onzième, Rosbif douzième. Ensuite nous retrouvons Ezekiel treizième, Snipe quatorzième, John quinzième et Gilard Max seizième. Et là vous voyez qu'il est tombé des trompes d'eau au début de cette course. Et du coup les pilotes ont chaussé les pneus pluie. Et que nous allons donc partir avec la caméra embarquée de Yoshis, d'Hamilton, de Charognard, de Juan Max, de Wam, qui on espère pourra faire un grand prix sans abandon. C'est bien là. À l'extinction des feux, ce sera parti pour le 7e rendez-vous de cette saison GP2. Parti avec un Max. Il chausse derrière Yoshis qui pareil chasse un petit peu. Yoshis qui a patiné. Alors, la course et qui a perdu ses 5e place au crédit de Juan Max maintenant. 4e. Et qui poursuit Mostrit. On n'y voit rien du tout sur la piste. Quelle astuce. Alors justement comment les pilotes font-ils pour dégager toute cette eau qui vient se déposer sur leur visière, alors que là on découvre le premier tour avec Hamilton. Ouh, alors c'est quelque chose. Il y avait deux voitures dans le mur. J'ai pas réussi à voir qui c'était. Là de toute façon on voit clairement rien du tout. Mais c'est ce que je voulais te demander, Marco, est-ce que tu penses que les pilotes ont l'habitude de composer avec les gouttes d'eau qui se déposent sur leur visière? Comment font-ils pour gérer ça? Eh ben, comment font-ils? Mais ils n'ont pas le choix. Ils continuent à rouler comme si de rien n'était, mais sauf qu'on voit rien, quoi. T'as pas de choses à faire. Hein. T'as des petits autocollants sur la visière, mais tu décolles de temps en temps, mais. Parce que là, du coup, c'est vrai que là, on voit Hamilton qui est en train peut-être de dépasser par Olivier par la droite, McMartin juste devant, mais il peut pas vraiment prendre l'aspiration, sinon vraiment son champ de vision est clairement masqué. Allez, c'est reparti à la fin de ce premier tour avec Hamilton, mais il s'est passé du grabuge. Il y a eu quelque chose au premier tour de ce Grand Prix. On n'en sait trop rien pour l'instant. Il y a peu de replay, c'est dommage. Olivier qui a très très bien réalisé ce déplacement. Alors là, je vois au clair. Yoshis 9ème. Ah oui, c'est quelque chose. Yoshis qui était 4ème sur la grille. Bon, votre information est partie. Est partie, comment dire. 10ème qui était, je crois, 10ème ou 5ème. Oui, c'est vrai. Le réalisateur ne semble pas disposer à nous montrer plus d'images sur ce premier tour, c'est bien dommage. En tout cas, Yoshis, on a la chance de suivre. Depuis Monaco, c'est plutôt mal parti. Ouh, propre Hamilton. Oh, ça touche. Est-ce que Yoshis n'est pas irresponsable d'après toi, Marco? Non, il n'est pas responsable, il ne pouvait rien faire.
faut pas éviter la Mercedes. En tout cas, Max Martin, lui, réalise une très belle accélération. Il est juste devant Gilles maintenant, et Pitkowski est 8ème. Alors qu'on peut remarquer qu'il manque une élève pour le rond avant Yoshi à gauche. Je crois. Est-ce que ça peut l'handicaper de manière significative? Ouais. Avec le plein et sous la pluie, ça peut jouer. Justement, enfin des images. Ouh, plat papé, Juan Max, il vient peut-être passer un petit peu Yoshi. Ah là oui. Il est sorti. Oh là là! Ouh, c'était charognard, je pense, sous le pif, enfin c'était bien une Lotus. Et ben c'était charognard. Oh, c'est terrible. Charognard et qui va toucher la roue avant de. Oxide. Et qui après il peut rentrer sa queue. C'est un coup dur pour Yoshi si tu vas absolument rien faire. Mais alors est-ce que le fait que visiblement son coéquipier l'a un petit peu tassé hein, sur la droite de la piste, est-ce que ça l'a clairement handicapé d'après toi? Non. Non. C'était pas. C'était pas méchant de Johanna. Non, je pense pas que. Ça qui joue sur. Ah, alors que là, on a vu deux pilotes. Ah oui. Deux pilotes qui ne sont pas maîtrisés la pluie. Il y avait le polonais Ezekiel, notamment. Et alors que Mustation fait le meilleur tour, 23-9. Et Mustation qui est sur sa lancée de sa très belle victoire à Monaco. Qui a fait du bien à tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, puisqu'il a coupé la suprématie d'Oxide et relance quelque peu le championnat. Alors que Charognard suit de très très près Rosbif. 5 dixièmes. Les deux pilotes ne se lâchent plus. Il a beaucoup plu hein, sur Montréal, sur l'île de Notre-Dame depuis ce matin. La piste est complètement détrempée. Ce qui a posé beaucoup de problèmes aux pilotes depuis le départ de cette course. On l'a vu avec l'accrochage entre Charognard et Pitkowski et Yoshiz. Un peu plus loin avec Hamilton qui s'est accroché également avec Marc Martin, me semble-t-il. Ezekiel, il y a peu de temps, il y en a partout. Alors qu'on retrouve Hamilton au 7ème tour de cette course. Hamilton, ouais, qui a eu deux accrochages, je crois. Qui se retrouve 12ème. On n'est pas habitué à le voir à cette position-là. Il avait été également malheureux à Monaco. Également, grosse difficulté à Barcelone, départ difficile pour Hamilton, qui malheureusement subit les erreurs de quelques pilotes, et qui est encore reparti pour une grosse remontée. Et là, va tenter un dépassement sur la gauche du pilote polonais. Ouh, il a fallu qu'il sorte sur l'herbe, c'est dangereux quand il pleut, c'est très dangereux Marco, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'un pilote risque beaucoup à sortir sur la pelouse? Oui, parce que la pelouse elle est trempée, donc du coup ça devient glissant et après bah ça peut faire perdre la bonne place au pilote. Enfin, il peut perdre le contrôle, donc c'était risqué. Mais bon. Mais bon, c'était payant. Hein. Ouais. En tout cas, il y en a un qui glisse pas, c'est Oxide. Hein. Lui, il vole totalement. Et on retrouve Wham au 8ème tour de la course. Wham 5ème. Il est toujours en piste. J'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et là, il pose énormément de problèmes à Yoshiz. Rappelons quand même que Wham a dû abandonner sur les 5 derniers Grands Prix. Il n'a terminé que le Grand Prix de Melbourne pour l'instant. C'est-à-dire 2 petits points, me semble-t-il, à son compteur. C'est un maigre butin pour un pilote prometteur qu'est le pilote brésilien. Wham, toujours devant Yoshiz pour 9 dixièmes. Juan Max 4ème. Ouais, Juan Max 4ème. 3 secondes et Yoshiz qui se fait pressant derrière Wham. Yoshiz qui doit tout remonter alors que la piste
semble un petit peu moins détrempée. Enfin, en tout cas, la pluie se calme gentiment. Est-ce que là, certains pilotes vont parier de chausser les pneus intermédiaires? Peut-être un peu trop tôt pour moi, je pense. Ah, en tout cas, Yoshiz. Yoshiz prend le pari alors qu'il y avait son coéquipier dans les stands. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les ingénieurs Red Bull? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable! Imaginez-vous comment une telle écurie avec un si gros budget peut subir ce genre de déconvenue, pardon. 14 secondes dans les stands. Alors là, c'est incroyable. Il a perdu une bonne dizaine de secondes. Non seulement il a dû attendre derrière son coéquipier, mais en plus il a perdu du temps à ce que tous les mécaniciens reprennent les pneus pour lui. Encore un coup dur. En plus, c'est bien ce que tu disais, hein. Il y avait bien une ailette de l'aileron avant qui était endommagée. C'est pour ça qu'ils ont dû changer complètement l'aileron, c'est ce qui a encore pris un peu plus de temps. Enfin, on va en parler, mais en tout cas, il y a du travail à faire du côté de l'écurie autrichienne. C'est pas leur fort, les arrêts. Red Bull qui est censé donner des ailes, là, pour le coup, se sont totalement trompés. Alors qu'Hamilton est passé devant Charognard. Et on est au 11e tour. Hamilton qui a essayé de dépasser les deux Lotus et Charognard qui a pris l'avantage sur Rosbif. Alors que c'est sorti large pour Hamilton. Hamilton qui est bien intermédiaire. Tout comme Charognard. Je pensais justement que Hamilton avait profité de l'arrêt au stand de Charognard pour lui ravir cette 9e position. Ce n'est pas le cas. Alors que Yoshiz réalise le meilleur tour. Donc ce qui veut dire que les intermédiaires sont maintenant le bon choix à faire. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de pilotes en piste avec les pneus pluie. Peut-être Snipe. Snipe semblait être encore en pneu pluie. Ouais. Et là, on l'a bien vu. Hein. Les pneus à bande bleue. Ouh, ça touche les murets du côté du pilote américain Mercedes, qui a retrouvé son coéquipier depuis Monaco, Sikowski en l'occurrence. Et mille stations, et ça n'arrête pas. Les temps s'améliorent de plus en plus. La piste sèche. Rosbif est 11e. Ah, de toute façon, maintenant, au fil des tours, on va avoir pas mal d'améliorations du temps autour. Effectivement. Il a essayé de prendre à la corde. C'était risqué, mais à la réaccélération, à la sortie du virage, Hamilton s'en est mieux sorti. Excuse-moi, Marco. Il y a déjà 10 secondes entre les deux Lotus. Bah, sûrement, ils ont dû faire un arrêt décalé. Du coup, peut-être que Rosbif il a perdu du temps, ou alors ils ont fait comme Juan Max et Yoshi, ils sont rentrés en même temps. Alors qu'au tour numéro 13, on retrouve Yoshiz toujours bloqué derrière WAM. Mais qui est revenu. WAM qui a chaussé également les intermédiaires, me semble-t-il. De toute façon, je pense que oui, parce que sinon, là, il serait complètement en difficulté. Les pilotes brésiliens. Cinquième des 16 pilotes en course aujourd'hui. Une affluence record pour la catégorie GP2. Sikowski est maintenant 7e. Alors là, peut-être encore, à la sortie du virage. Encore un nouveau meilleur tour. Oxy dans 1.19. Plus rapide que Yoshiz, mais qui ne peut pas rouler à plein régime, compte tenu du fait qu'il est bloqué derrière WAM. Et là, comme il pleut, l'utilisation du DRS n'est pas disponible, donc ça va rendre. Le dépassement plus difficile. Yoshiz, il doit s'armer de patience. Est-ce que c'est difficile à gérer? Excuse-moi. Vas-y. Est-ce que c'est difficile à gérer pour les pilotes, justement, le fait de rester bloqué derrière un concurrent et ne clairement pas pouvoir prendre son envol? Ça a été le cas avec Yoshiz et derrière plusieurs pilotes depuis le début de la saison. Mais là, il est passé, me semble-t-il.
Et il a réussi à profiter de l'erreur de WAM. Et il s'est pas fait prier, il a directement pris l'ouverture et il est passé. C'est bien joué, maintenant il va pouvoir attaquer et revenir sur son coéquipier. Toi qui as l'expérience des courses, Marco, justement, comment est-ce que tu gères l'impatience, j'ai envie de dire, la tendance à vouloir attaquer à coûte que coûte pour passer le pilote qui est devant? Est-ce que tu as des conseils à donner? Bah, des conseils, non, parce que après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui tentent par tous les moyens de dépasser n'importe où. Moi, personnellement, j'attends qu'il y ait une erreur du pilote pour pouvoir profiter de l'ouverture. Ou alors, si je vois que je suis plus rapide et que je peux dépasser et que je suis à l'aise sur le circuit, je tente des freinages un peu plus tard. Et voilà. Tout dépend de comment ça se passe. Au risque et péril du pilote, évidemment. Mais là, en l'occurrence, pour Yoshi, ça a payé. Et 16e tour de cette course. Il y a encore quelques flaques d'eau. Et Hamilton est 9e. Ouais. Mais il est toujours en intermédiaire. Alors peut-être qu'il serait possible de passer en pneu slick. En tout cas. Pour l'instant, ils ont l'air d'accrocher encore et on voit qu'il y a encore des petites projections d'eau sur les pneus. Effectivement. Alors que McPartin vient de reprendre la 6e position à Pikowski. Oula, attention, c'est la 2e fois. McMartin, je crois qu'il est rentré au stand. Ah, peut-être, excuse-moi, oui. Il a sûrement dû aller chausser des pneus slick. Parce que là, visiblement, la route, la piste est quasiment sèche, même s'il y a encore quelques endroits un petit peu humides. Faudrait tenter, voilà. Hamilton qui demande les pneus options. Oui, là, on voit bien là que l'adhérence est un peu critique sur le circuit urbain de Montréal. Sachez que les routes empruntées aujourd'hui par les pilotes sont des routes publiques, hein, un peu comme à Monaco, comme à Singapour. Et à Melbourne aussi. Et à Melbourne. Est-ce qu'il y a d'autres circuits qu'on aurait oubliés? Je crois pas. Valence, peut-être. Que c'est là. Oui, Valence, ce n'est plus au calendrier. Oui. Et voilà, si on doit se remémorer tous les grands prix. Ah, ben je voulais solliciter ta culture sportive. Ta grande culture de la Formule 1. Il y a plein de grands prix à dire si on doit aller dans les circuits urbains. Oh, c'était chaud, hein, parce que là, heureusement que c'était pas du béton. Mais le pneu gauche a failli vraiment souffrir et il est déjà un drapeau bleu. C'est Oxide là qui c'est passe. Oxide. Je crois qu'il y en a encore un deuxième drapeau bleu là. Et c'est Mille Stations, là, ouais, il se suit de très très près. Et un troisième. Et Charles Renard qui va en profiter, ouais. Ah, c'est très malin. Charles Renard, il s'est un peu loupé. Dommage. C'était malin là, ce qu'il a fait là. Ah, mais c'était bien joué. Tel un renard. Il est futé, ce charognard. Et dommage qu'il s'est raté. McMartin a profité de l'arrêt au stand d'Hamilton, parce que McMartin s'est arrêté un tour avant, hein, pour reprendre cette 8e place. Confirmation, effectivement. Charognard 10e, toujours derrière Hamilton. Attention à cette chicane très très difficile à négocier. Ouh, ça a rasé de près, j'ai vu des petits bouts d'aileron là qui étaient dispersés sur la piste. Ouais. Et Oxide est en tête, toujours en tête devant Emil Station. Mod Street doit être 3e, 4e Juan Max, 5e Yoshis depuis qu'il a dépassé WAM. Et Yoshis qui revient sur son coéquipier. Petit à petit, il refait son retard. Maintenant qu'il a le chemin roux. Libre des retardataires. JLR Max et... Avec sa Sauber. Et devant, je me demande si c'est pas McMartin, tout simplement. Ah non, je crois que c'est Ezekiel. Non. C'est une...
Une voiture, mais qui? Je ne sais pas. Peut-être John K, le nouveau pilote. Peut-être, ouais. Hamilton qui est sorti indemne de ses dépassements. C'était pas forcément, c'est pas toujours évident de dépasser des retardataires. Et un aileron cassé. Avec maintenant Juan Max au 24e tour. Juan Max est toujours 4e, mais il est suivi de très très près maintenant par son coéquipier Yoshiz. Et on sent Juan Max très très craintif quand il arrive à cette dernière chicane de ce circuit de Montréal, le circuit de Gilles Villeneuve, décédé en 1982. Juan Max qui est à 15 secondes. Maintenant de Mott Street, le pilote belge s'envole. Et Juan Max est en prime, me semble-t-il. Ouais. Et pneus médium. Il a réalisé son meilleur tour en 1 minute 17. C'est dire que les temps s'améliorent de manière très 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 significative. Alors qu'on voit juste Yoshiz. Les deux pilotes Red Bull à l'avant. Et Yoshiz qui a encore un aileron abîmé. Ah oui, il va donc perdre du temps. Prochain arrêt au stand parce qu'il va devoir changer l'aileron. Alors si on a vu comment ça s'est passé la première fois. Oh, c'est très bien joué ça. C'est très bien fait. Juan Max qui a pas cherché à bloquer, à fermer la porte. Pardon. Très, très galant le pilote mexicain. C'est vrai que Yoshiz n'a pas réussi un magnifique début de course. Meilleur tour pour Mott Street maintenant. Et meilleur tour pour Yoshiz, je crois. Et avec l'aide du DRS, il a pu. Oh là là, ça manque un petit peu de maîtrise là quand même. Mais je crois que l'aileron avant bien endommagé gêne considérablement le pilote français Yoshiz. L'accélération, c'est pas surtout l'aileron. Alors que. Ah non, c'est un bug. Mott Street à 18 secondes. Et Yoshiz qui a perdu 1 seconde 5 sur son petit patinage. Alors qu'au 29e tour, oulala, Hamilton. Qui s'en sort bien. Et il a eu de la chance de rien casser. Ah bah il coupe complètement là. Il nous fait du charognard. Non, vraiment exceptionnel ce que vient de faire Hamilton. Les compatriotes. Ça reste en Belgique, voilà. Ouais. Même si le pilote Mercedes a évidemment adopté la nationalité américaine, il reste belge. Et là, avec Charognard, ils font une fine équipe. Ils coupent les circuits. Et ils sont justement l'un juste devant l'autre. McMartin qui n'a que 4 secondes d'avance sur Hamilton. Et Hamilton n'a qu'une seconde d'avance sur Charognard. Une seconde. Ils sont 7. Très très proches. Et on retrouve Wham au 30e tour. Wham qui n'a pas abandonné pour une fois. Ne nous précipitons pas. Et nous sommes qu'au 30e tour, comme tu me disais. C'est vrai que même si. Oula, il s'est passé quelque chose. Et abandon d'Ezekiel, le pilote polonais qui vient de détruire sa voiture. Alors on ne sait pas où. Ouais, mais. Et voilà la safety car, celle que tous les pilotes leaders d'une course redoutent finalement, puisque ça permet à tout le monde de revenir dans la course. Ça va faire les affaires à Yoshiz, qui va pouvoir revenir sur le trio de tête. On était resté sur 3 safety cars à Monaco et on voit une nouvelle. On va dire que c'est à la mode. Et ouais, bon, on se profite pour aller chausser les options. Juan Max qui est repassé devant Yoshiz, mais je crois que Juan Max ne s'est pas arrêté, ce qui n'est pas forcément stratégiquement une très très bonne opération, parce qu'il va repartir avec des pneus bien abîmés. Juan Max, il était en pneu prime, donc il devait être encore en bon état, je pense. C'est vrai qu'il a voulu capitaliser sur sa stratégie en deux pneus durs.
Alors que c'est reparti. Biff qui a laissé passer Juan Max et à nouveau Yoshi. Le 34e tour. Juan 4e. C'est reparti pour une moitié de course. On a redistribué les cartes au Canada. Wham qui a un tour de Yoshi. Oui, Snipe qui... Olivier. Je crois que c'était Snipe. Ah, j'ai vu Olivier, moi. Alors que là, juste devant, Juan Max, un pilote qui gêne la progression, on va dire, des deux pilotes Red Bull. Et là, c'était Snipe, effectivement, donc c'était Olivier tout à l'heure. Ah, ne me contredis plus. Oh, ça a touché, mais... Snipe. Oh, mais c'était Snipe. Ah bah forcément, il a découpé Juan Max. Il a failli découper Yoshiz également. Grossière erreur du pilote Williams. Il a dû rater son freinage ou... Bah là, il l'a complètement rassé. Ah, pour le coup. Ah, et là, il a rêvé vite. Hein. Alors qu'on voit le replay. On est avec Mod Street. Émulation. Émulation, c'est qui devant? Ouais, émulation, vu que là, maintenant, Mod Street, il est troisième. Ouais. Ouais, on n'a pas très très bien vu sur la vidéo. Émulation qui a perdu l'arrière et qui est venu taper le mur de plein fouet. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas réussi à bien voir. En tout cas, les deux pilotes McLaren se suivent. Là, c'est maintenant Emilstation qui au 36e tour reprend l'avantage sur Mod Street. Station qui a pas l'air d'avoir cassé l'aileron. Et Yoshi est 4e. Ouais, tu penses qu'il s'en est bien sorti finalement? Ouais. Ouais. Donc s'il est toujours leader, en tout cas, il n'a pas. Il n'a pas subi les attaques de ses concurrents. Il est resté vraiment solidement attaché à sa première place. Encore et toujours fort. Ouais, c'est ce qui fait de lui un pilote très solide et qui, malgré l'abandon à Monaco, semble reparti de plus belle pour enchaîner les victoires. Nous sommes comme 37e tour. Alors que ça coupe devant, hein, c'est Mélestation qui a coupé. Street qui le suit de très très près. Il va sûrement pouvoir profiter du DRS alors que devant il y a deux pilotes retardataires. Ah, c'est Oxy, Wham, c'est Wham. Oui, Wham qui est déjà un deal. Ouais. Ah, ça va très vite, Marco, ça va très vite. Il y a un trio de tête, je veux dire presque un quatuor avec Yoshi qui semble à chaque fois détaché et les autres sont à la peine. Oula, Wham qui a failli toucher le mur des champions. C'était juste. Attends, pourquoi appelons-nous ça le mur des champions, Marco? Je pensais strictement à rien. Eh bien, décidément, il va peut-être falloir revoir ta culture. Puisque j'ai regardé également, on appelle ça le mur des champions, puisque tout simplement, de nombreux pilotes, forcément très très connus, très célèbres, sont venus se cracher sur ce mur très très délicat à négocier, d'autant plus qu'il y a Jacques Villeneuve avant. Il y a eu Jacques Villeneuve à deux reprises qui s'est pris ces murs là. Schumacher également. Et beaucoup d'autres pilotes de la communauté Team F1. Alors qu'on va pas oublier non plus le dépassement de Yoshis peut-être sur Mod Street. Yoshis qui va pouvoir profiter du DRS, en tout cas qui utilise tout le Kers. Allez sur la droite. Et c'est passé. Voilà, c'est fait. Le chiffre au 39e tour monte enfin sur le podium. La safety car lui a fait du bien. On va voir à combien de temps il est d'émulation maintenant. À 3 secondes d'émulation. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a un pilote qui est complètement coupé. Ouais. Ah oui, il a dû rater son freinage. Les commissaires de course n'ont, semble-t-il, pas pénalisé le pilote McLaren. Mais faudrait-il encore que cela-là ne se reproduise pas? Ah, si, on entend via la radio de Yoshi, Skemistation a reçu une pénalité de Drive-Thru.
Ah oui, On a vu le d'accord. replay. Et on Ah, revoit bien le replay, on voit il bien a qu'il pu le coupe faire avant. complètement. Ouais. Ah bah Il oui. a, dirait qu'il a, il a pas cherché à freiner, non. Il y a du goudron, j'y vais. Je sais pas Bah qu'est-ce en qui lui tout cas, passait par la tête là. la pénalité est arrivée très très rapidement. C'est incompréhensible. Est-ce qu'il va faire les affaires de Yoshi, qui devrait en profiter pour ravir la deuxième place à la station, alors que derrière, Charronnière Hamilton livre une bagarre d'anthologie. Hamilton qui a encore fait une sortie de piste et qui a dû couper. Et Charronnière a pu en profiter pour lui prendre la 8e place. Il souffre, le pilote McLaren. Ouais, mais Il a septième. assez de. Il a du mal sur circuit. Charognard, on va bientôt savoir combien de temps il est de WAM. Il doit être à 10 secondes, voilà. 10 ou 18. Et juste derrière, à une demi-seconde, le pilote Mercedes qui va pouvoir profiter du DRS. Il tentera sûrement une attaque à l'autre ligne droite. Là, il paraît un peu loin pour tenter quoi que ce soit. Et nous sommes au 40e tour. Cette chicane qui fait peur à beaucoup de pilotes, hein, quand même, parce que vous avez vu comment les voitures décollent sur les vibreurs. Les vibreurs sont C'est assez hauts. risqué. On arrive à Oxyde. 180 et. Oxyde est en tête, toujours. Très discret, pilote Ferrari. Mais là, imperturbable, pardon. Mac Martin. Dixième maintenant. Et Hamilton qui se bat pour essayer de rester dans l'aspiration de Charognard. Même s'il décide de passer en mix 2. Est-ce qu'il va pouvoir activer son DRS? Il faut vraiment bien réussir à négocier cette épingle pour repartir le plus rapidement possible. Il a trop plongé à l'intérieur. Il a privilégié l'entrée à la sortie du virage. Ça le fait perdre du temps. Et là, il ne parvient pas à profiter de l'activation du DRS. On n'a pas l'impression qu'il reprend du temps. Ah, Charognard qui vient s'exploser! Ouh, il s'en est bien sorti. Là, il s'en est très très bien sorti, le pilote belge. Hamilton en profite. Il est venu faire le flipper sur les deux murets opposés de cette ligne droite d'arrivée du circuit de Gilles Villeneuve. Impressionnant ce qui s'est passé là. Impressionnant. Et WAM qui est déjà à 1 minute 5 de Juan Max. Où j'ai eu peur pour Charognard, il s'en est bien sorti. Ouais, il a eu de la chance, il a pas cassé l'aileron ou même la voiture. Peut-être un petit morceau d'aileron. Il a plus Comme de quoi. peur que de mal pour le pilote belge. Et abandon. Abandon de John K. Qui aura fait une brève apparition sur le championnat GP2. On me glisse dans Sur quoi? l'oreillette qu'il n'est même pas certain de revenir sur le prochain Grand Prix. C'était sa 45e première tour. course ici. Ouais, c'était plus de difficile. Il y a eu des accrochages avec JLR Max. Je crois que si ce n'était pas John K, ce serait justement JLR Max qui a accroché Yoshi et qui lui a fait perdre un bout d'aileron. Enfin bref, c'est difficile pour les pilotes à l'arrière de la course. Un plateau complètement hétérogène en termes de niveau, j'ai envie de dire. Les meilleurs pilotes survolent la course. Et derrière, comme je le disais tout à l'heure, on s'accroche. On se bat pour les petits points, Les pour se petits points qui peuvent maintenir. être précieux pour les classements et pour le choix des monoplaces pour la saison suivante. Olivier 13e justement qui vient de se faire prendre un tour par Yoshi, un tour supplémentaire. 5 secondes, 6 secondes. Et Yoshi peut-il encore gagner la course? À 20 tours Il peut de l'arrivée, revenir. j'ai envie de dire que oui. Il peut le faire. Ah, on a la chance de pouvoir vivre l'avant de la course avec la caméra embarquée de Yoshi. On se délecte du suspense que les deux pilotes nous offrent. Même Émile Station, qui est à 16 secondes, n'est pas encore perdu, j'ai envie de dire.
Et là, Yoshis qui reprend, qui grappille quelques centièmes de seconde sur Oxide. Allez, il peut le faire, le pilote Red Bull, il peut le faire. Et vraiment, c'est génial de pouvoir suivre ça. Il reprend même du temps à la station. Vous voyez, c'est déjà une demi-seconde. Ouais, il a repris une demi-seconde dans deux secteurs. Alors, est-ce que Oxide va bientôt s'arrêter? Est-ce qu'il y a une stratégie décalée? On ne sait pas. En tout cas, à 20 tours de l'arrivée, 5 secondes, s'il roule aussi vite, Yoshis va ne perdre qu'une bouchée de son concurrent direct au classement constructeur, au classement pilote, pardon. Ah, Oxide a repris. C'est pas le troisième secteur, c'est pas un secteur pour la Red Bull. Enfin, pourquoi, Marco? Il y a deux lignes droites qu'il y a. Parce que le moteur n'est pas le même. Le moteur Renault est pas aussi rapide que le moteur Ferrari. Donc, du coup, en ligne droite, la Red Bull se traîne un petit peu. Effectivement, ces propos sont confirmés par le temps, en tout cas, de Yoshis, là, qui grappille. Et qui est en secteur isolé. Dixième dans le premier secteur. Alors que le premier secteur est plus un secteur pour la Red Bull que la Ferrari. Donc là, il devrait avoir repris du temps. Et oui, 4 secondes 3. Une demi-seconde, toujours d'avance sur son meilleur temps. Et là, donc, il devrait lutter pour éviter de perdre le moins de temps possible sur Oxide. Il devrait profiter de capacités de sa monoplace à mieux résister au troisième secteur que celle de la Red Bull. Alors que Philippe Street, l'émission qui est sorti juste devant lui, et Juan Max au cinquième. Il reste 16 tours avant l'arrivée. Une station qui a sûrement fait son dernier arrêt. Ensuite, pilote, c'est Snipe Olivier. Olivier, le pilote sauveur. On a réussi à avoir. Ah bah, ça va tellement vite. Alors, ça devait être Snipe. Ouais. Mais c'est une station qui avait réussi un doublé à Monaco, là, qui se suivent, mais plus pour la troisième place. Max qui est à 25 secondes, 24 ouais. secondes, mais qui à 15 tours de l'arrivée maintenant semble être un écart rédhibitoire pour le pilote mexicain qui s'est bien battu aujourd'hui, mais qui ne réalisera pas un troisième podium consécutif après sa belle performance à Monaco et à Barcelone. Charognard maintenant, au tour 56. Qui est à 17 secondes de WAM, à ce niveau-là aussi de la course. En tout cas, ils se suivent encore avec Hamilton. Oui, ils n'arrivent pas à se départager. Il a réussi à faire un petit trou de 3 secondes, Charognard. Il y a du suspense à tous les étages avec le meilleur temps Oxide. Ce qui n'est pas un bon signe pour le pilote Red Bull. Là, on peut voir que devant Charognard, il y a deux pilotes ensemble. Une petite lutte devant. On ne sait pas qui c'est, mais... Alors, c'est soit des pilotes McLaren, soit encore des pilotes derrière Charognard et Hamilton. Oui, à mon avis. Ah, bah, c'est Rosbif. C'est Rosbif. Et Charognard qui vient. Ah oui, alors, c'est pas de sa faute, au pilote belge, là, mais visiblement... On ne pouvait rien faire. Ah, il pouvait rien faire. Heureusement, il n'est pas pénalisé. Il va être bien malheureux d'avoir touché Rosbif, à qui il allait prendre un tour. Par contre, je n'ai pas vu qui était l'autre pilote concerné. J'ai pas fait gaffe, franchement. Je crois que c'était encore une Williams. C'était une Williams. Je ne sais pas qui c'est. McMartin, peut-être. Peut-être. McMartin qui est dixième. Et Hamilton qui en a profité. Ouais. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il en a profité, le petit malin. Ah, je sais pas combien il y a eu de dépassements entre les deux. En tout cas, ils se sont bien aimés pendant toute la course. Nous sommes au 58e tour maintenant. Il y a aussi eu des petits dépassements en profitant des petites erreurs des uns des autres. Notamment là, Charognard qui fait une petite erreur sur Rosbif. Et tout à l'heure, Hamilton qui laisse passer les drapeaux bleus. Charognard en profite. Et je crois que la voiture de devant a fait une erreur parce qu'elle n'y est plus.
Alors que là, la réaccélération, peut-être que Charbonnier va passer sur la droite d'Hamilton, mais non. Les petits filous du jour. Il a raté sa chicane. Et McMartin, oui, non, McMartin, c'est pas la voiture qui est derrière. Non, Il c'est y a un drapeau Fiat bleu là. Ouais. Ah non, Snipe. c'est Il tout laisse passer. simplement Oxide. Qui n'a pas été gêné dans sa progression. Et du coup, là, c'est Hamilton qui fait une belle affaire. Même si lui également devra laisser passer. Oui, il a mis du Est-ce temps que à activer son Charbonnière DRS. pourra refaire la même chose que tout à l'heure? Allez, Yoshi's deuxième. Il y a quelques tours, il était à 5 secondes. Où en est-il, Yoshi's? Et il a 22 secondes d'avance sur le troisième. 4 secondes 8, 4 l'écart reste secondes un. 8. Ouais, l'écart reste à changer. Oh, le petit blocage. Ah ouais, là, il va perdre du temps. D'autant plus que c'est sur un des secteurs sur lequel il pouvait justement prétendre reprendre du Alors, une temps. voiture devant à l'arrêt. Effectivement, je pense que c'est un retardataire. Ouais. Oulala, c'est Voilà. très très Il ne dangereux là, s'écartait le pas. très très grosse erreur de snipe qui a clairement fait perdre énormément de temps. On l'a vu, Yoshi, déjà 5 secondes 9. Donc ça, c'est aussi dû à ces petites erreurs en début de secteur. Mais là, on va bientôt savoir quel temps Snipe aura fait perdre à Yoshi's. On l'a vu déjà avec l'écart avec Amy Station. Et voilà, 6 Oh, secondes 6 3. Et secondes 5, malheureusement, 2 secondes 7, il a perdu. à ce niveau-là de la course, quand on joue la première place, ça coûte très 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 cher. Alors il faut bien dire, évidemment, Marco, et tu me contrediras pas, je l'espère, que chaque pilote fait partie de la course. Mais là, faut bien dire quand même que Yoshi a été handicapé par Snipe, très peu disposé à le laisser passer. Ouais, Snap qui s'est pas écarté de la trajectoire malgré les drapeaux bleus. Et du coup, Yoshi's qui a dû freiner beaucoup plus que ce qu'il ne devait. Donc, Parce il ne qu'il avait pouvait pas perdu vraiment énormément de anticiper ce temps. qu'allait faire le pilote Williams. Il a perdu 2 secondes sur ce tour. On trouve Juan Max qui revient gentiment sur Mo Street, puisqu'il était à 24 secondes tout à l'heure, il est à 19 secondes. Juan De toute façon, Max maintenant à 5. qui est scellé. Il a fait toute la course tout seul, on dirait. C'est vrai qu'il a, il a réussi à reprendre la quatrième position à Yoshi. Mais depuis là, 18 secondes, hein, il n'a aucune chance de revenir sur Mall Street, sauf erreur de la part du pilote belge. Et Pitkowski est bien trop loin maintenant pour l'inquiéter. Juan Max qui va aller chercher 10 points. Tranquillement, calmement, ce n'est pas fantastique, mais c'est toujours ça. Et la Rose Beef, 12e, qui va laisser passer un peu trop gentiment, j'ai envie de dire. Il est parti hors piste pour pas gêner les deux pilotes. Ah, bah, c'est complètement à l'opposé de ce qu'avait fait Snipe. Hein. Snipe, autant, n'a pas vraiment eu Oui, cette chance à Yoshi, mais là, c'était le peut-être un peu trop. contraste. Un contraste, ouais. Impressionnant. C'est là aussi on voit la différence au niveau du mur des champions. Juan Max beaucoup plus prudent que son collègue, son coéquipier, pardon, Yoshin, qui lui n'hésite pas à vraiment foncer pour gagner le plus de temps possible sur cette chicane. Il reste 2 tours. Et 6 secondes, c'est fini maintenant. Oui, là, c'est à moins d'une erreur de Oxide. Oxide a plus beaucoup de chances d'espérer une victoire. Yoshi's qui s'en sort vraiment très bien, qui a réalisé une très très belle course. Hein. Il a été victime de cet accrochage avec Charognard en début de course. Il a été Oxide. bloqué derrière WAM. Son arrêt au On voit stand justement. très long. Ouais. Il a dû casser deux fois son aileron. Donc clairement, il s'en sort bien. Et je pense que avec un meilleur départ, il aurait clairement pu prétendre à la victoire aujourd'hui. Sans tous ces déboires là, il aurait pu être devant. Peut-être le meilleur tour en course. Il revient quand même gentiment, mais maintenant à un tour de l'arrivée. Ils vont Oxide prendre doit 5 secondes gérer, je 4. pense. Même en coupant comme l'a fait Hamilton, ce sera impossible. Et c'est vrai que là, à ce moment-là de la course, je pense, toi tu serais à la place de Yoshi, tu y crois quand même s'il y a 5 secondes d'écart, tu y crois quand même. Je donnerai tout. Ouais, on peut toujours espérer une sortie de Une route. erreur
est vite arrivée, donc on sait jamais. Allez, en tout cas, Yoshi l'espère et donne tout ce qu'il a. Il est en mix 3, il reprend du temps sur la station. Et il est à 3 secondes 6, c'est-à-dire que Oxy est à la limite au niveau de ses pneumatiques. Ah là, il y a un tour. Au niveau de l'essence. Et peut-être au niveau de l'essence également, alors que Yoshi était plutôt large et confortable, avait une belle marge de manœuvre en tout cas sur sa gestion du carburant. Même si là, il préfère finir en mix 2. Allez, attention, ne pas prendre une mineure sur juste à la fin de la réaccélération. Et Oxide qui s'impose, on le voit juste devant. Oxide, oula, qui souffrait quand même, je crois qu'il a avancé beaucoup moins vite. Et Oxide qui s'impose, très très belle sixième victoire, et se rattrape largement de Monaco. Est-ce que tu peux nous récapituler le classement de la course, s'il te plaît, Marco? Donc alors, nous avons Oxide premier, qui a fait le meilleur tour en course avec une 12-8. Suivi de Yoshis qui a fait une belle remontée, lui qui était, je crois, assez loin au classement au début de course suite à son accrochage avec Charognard. Il finit quand même à 2 secondes 5. Oui, c'est pas rien. Sans tout ça, il aurait pu finir premier, je pense. Et nous retrouvons en dernière marche du podium Hamilton avec la McLaren, suivi de son coéquipier mode Street. Ensuite, le coéquipier de Yoshi, The One Max, 5e, suivi de Psikowski, 6e, Wam, 7e, qui a enfin fini une course après Melbourne. Ça fait vraiment plaisir pour le pilote brésilien. Après 5 courses, je crois. Tu as raison. Des abandons. Tout à fait. Là, il reprend 6 points au championnat et ça peut le redonner espoir. Ensuite, nous avons Hamilton, 8e, McMartin. 9e sur sa Williams, suivi des deux Lotus, de Charognard, pardon, et de Snipe, 11e, et de Grosbeef, 12e sur sa Lotus. Et Charognard qui a fini par céder avec sa belle bataille sur Hamilton. Oui, Charognard qui a laissé passer Hamilton et McMartin. J'ai fini le classement avec Gilles Max qui a abandonné. Tout comme John K, Ezekiel et Olivier. Alors Oxide qui se rattrape au classement, enfin se rattrape si on peut dire, puisqu'il était déjà en tête, mais il reprend un petit peu d'avance sur Yoshis. Oui, qui reprend encore 7 points d'avance sur Oxide. Vu que maintenant Oxide a 150 points. Donc Yoshis deuxième avec 108 points. Troisième, nous retrouvons Mod Street avec 87 points. Juan Max, quatrième avec 84 points. Mod Street qui a repris une place à Juan Max, je crois. Suivi ensuite de Demi-Station qui revient sur Juan Max avec 67 points. Hamilton, sixième avec 60 points. Charognard, septième avec 35 points. Et McMartin, huitième avec 30 points. Suivi de Goa qui revient lui aussi là après ses 4 courses d'absence. Il revient avec 26 points. Rosebeef, 21 points. Ezekiel, 11 points. Wam qui a enfin remis des points et 12e avec 8 points. Suivi de Gilles Armax, 6 points. Cédric avec un seul point. Et Aerostar avec 0 points. Pour le classement constructeur, nous avons les Red Bull. En première place avec 192 points, Ferrari avec 158 points, suivi de près par les McLaren avec 154 points, pardon. Mercedes 4e avec 86 points, Lotus avec 56 points, Williams 6e avec 31 points, Sauber 7e avec 14 points et en dernière position Force India avec 11 points. Merci beaucoup Marco pour ce beau résumé du classement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu une très belle course. On a eu un très très beau cadeau d'anniversaire tous les deux en vivant ensemble la victoire d'Oxide. Une course agitée au départ avec ces pluies qui a vraiment dérangé les pilotes. Ouais, une course pas de rebondissement, notamment sur les premiers tours avec cette pluie, comme tu dis, très capricieuse et très compliquée à gérer avec le plein d'essence. Et nous avons aussi eu de belles petites bagarres avec certains pilotes, des petits accidents, notamment une station qui a tapé le mur et qui après a coupé, je ne sais pas pourquoi il a coupé. Mais... Donc voilà, des courses avec des comment on dit déjà, des,
Des dépassements magnifiques. Des dépassements, ouais. Des dépassements, des occasions, des actions à tous les niveaux. C'est vrai qu'on s'est régalé. On s'est régalé, en tout cas, et les pilotes vont bien devoir s'habituer à piloter sous la pluie, puisque la semaine prochaine, on sera tout simplement de retour sur le vieux continent à Silverstone, l'un des grands prix les plus mythiques du calendrier. Et là, avec la pluie, ça va être très 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 difficile à négocier. On en saura plus la semaine prochaine si Oxide maîtrisera à nouveau ce championnat. Merci beaucoup Marco, en tout cas. Mais de rien, c'était un plaisir de te retrouver en cabine. Eh bien oui, je suis très content. En tout cas, j'ai vu qu'avec Rémi, la collaboration avait été exceptionnelle et que vous nous aviez fait vivre à tous une superbe course. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut! Salut!